De la COCOP, un moment que nous avons réservé pour fixer nos esprits en ce qui concerne notre communauté. Je vais dire une chose, il y a des penseurs qui ont défini les concepts de développement. Mais dans cette définition, je crois qu'il y a une des définitions qui a très bien été retenue, c'est celle de François Perrou, qui dit que le développement est la combinaison de forces. C'est-à-dire, si nous voulons nous développer, nous devons mettre ensemble nos forces. Et il dit la combinaison des forces qui amène à l'accroissement. Si nous mettons ensemble nos forces, nous allons accroître. Nous allons accroître nos revenus, nous allons accroître nos ressources et cela nous donnera la fierté et nous allons nous dire que nous sommes développés. Je crois que c'est ces soucis qui, les années bien avant, avaient animé nos compatriotes qui, à ce temps-là, habitaient le Bénin, de dire nous devons nous mettre ensemble au sein d'une association et vu que nous sortons d'un même pays, nous parlons une même langue, nous pouvons nous dire que nous sommes une communauté. On ne peut pas changer l'histoire, je crois qu'il y a des anciens ici qui savent comment ça a commencé. Dans cet esprit de tergiversation, il y a des esprits qui se sont levés pour dire écoutez, nous devons mettre fin à ça. Parce que qu'on le veuille ou pas, nous avons besoin de vivre ensemble, nous avons besoin de vivre en communauté, mais il faudrait que cette communauté soit structurée, que cette communauté soit redynamisée. C'est la raison qui nous amène ce soir. Et je pense qu'il y a des gens qui nous diront mieux. Là, je voudrais donner le micro à notre chef pour qu'il nous dise aussi ce qu'il pense de nous. De tout le temps qu'il est là, qu'est-ce qu'il a observé et qu'est-ce qu'il peut nous donner pour que notre unité soit renforcée. Je vous remercie d'autant plus que vous me donnez l'occasion d'exprimer les attentes et les espoirs de la personne. Beaucoup d'entre vous le savent, l'une des missions d'une mission diplomatique et d'assister et de protéger ses compatriotes. Dans nos pays africains, les associations, pas seulement les pays africains, mais les pays qui n'ont pas trop de moyens, les associations sont un maillon fondamental pour ce travail, pour être efficace. C'est pourquoi vous avez constaté que depuis 2003, notre ambassade s'est impliquée dans ce travail d'accompagnement pour la structuration des associations, en particulier de l'association de la COCOP ici au Bénin. Ça fait presque 10 ans maintenant, 15 ans, parce que 2003 à 2015, ça fait 2018, ça fait 15 ans. On constate que malgré tous ces efforts, la COCOP ne fonctionne pas normalement, tant sur le plan interne, que dans ses rapports avec l'ambassade. Sur le plan interne, je ne veux pas vous... c'est pas à moi de vous le dire. On constatera que vous plaignez, il n'y a pas un renouvellement régulier des organes, c'est en fait la raison pour laquelle beaucoup d'entre vous ont demandé à l'ambassade d'intervenir. Il y a aussi... on constate que le fonctionnement régulier des organes, le fonctionnement des organes n'est pas très bon. Les gens ne sont pas impliqués, ils sont désintéressés. Ça, c'est sur le plan interne. Et dans les rapports avec l'ambassade, beaucoup d'entre vous se plaignent de l'ingérence de l'ambassade dans le fonctionnement
de l'association. Et c'est 15 ans après, il est toujours nécessaire de faire un bilan. Et beaucoup d'entre vous ont insisté, surtout parce qu'il y a eu la norme d'organisation des élections depuis plus de 2 ans. Nous nous sommes mis à consulter séparément les associations, les personnes ressources. Mais à la fin, nous avons organisé quelques séances, réunions collectives, tripartites, associations, bureaux de COCOR, personnes ressources et l'ambassade. À l'issue de ces différentes consultations, il s'est posé un problème. Fallait-il renouveler les organes avant ou nettoyer les textes? Et je crois que la majorité s'est prononcée pour le toilettage des textes fondamentaux de l'association. Les réunions se sont tenues respectivement le 20 janvier et je crois le 17 mars. À l'issue de cette, avant même, au cours de la première réunion, lorsqu'on a estimé qu'il fallait instituer, qu'il fallait nettoyer les textes, on a institué un comité de toilettage des textes. Ce comité était composé de 7 personnes, 5 personnes plus 2, parce que j'ai besoin de 2 personnes pour les accompagner. Et ce comité a produit des textes qui ont été validés lors de la dernière réunion qui est partie. Nous ne sommes pas dans une relation de subordination. Nous sommes dans une relation de collaboration. L'ambassade considère la COCOR comme un partenaire privilégié dans l'assistance et la protection de nos ressortissants du droit ordinaire. Et pour ce faire, vous constaterez qu'on a inscrit dans les textes le principe que l'ambassade est liée dorénavant par un protocole d'accord avec l'association. Et c'est à l'Assemblée générale de valider ce texte-là. Et je crois que je remercie le comité qui a été institué et qui a pris en compte les considérations de l'ambassade. Et je tiens aussi à remercier certaines personnes, le comité particulièrement. Ses membres ont travaillé bénévolement. Ils ont donné de leur temps pour faire ce travail pendant un mois. Et je crois que ça nous ramène au principe même de la vie associative. Dans la vie associative, c'est du bénévolat, c'est de l'engagement, c'est de la disponibilité. Vraiment, merci pour votre sacrifice. Je vous remercie. Je tiens également à remercier les gens qui ont contribué à l'organisation de cette Assemblée générale. Je peux vous avouer que l'ambassade n'a mis aucun franc dans l'organisation de cette Assemblée générale parce que nous considérons que c'est une organisation privée et il faut que les gens mettent un peu la main dans la poche pour permettre le fonctionnement d'une association, c'est ça. Ça veut dire que ce sont des gens qui se disposent, qui mettent leur argent pour le fonctionnement. Les volontaires vont se manifester ou alors, si vous acceptez, on vous le propose. Ils seront là pour nous aider à suivre l'évolution du texte parce que nous avons un bureau qui a travaillé, c'est un bureau restreint qui a travaillé à la place de peut-être 2000, 3000 Congolais. Quand bien même ils ne sont pas là, ce sont nos frères, chacun de nous va jouer le rôle de 10, 20 personnes pour que le texte soit adopté. Nous avons besoin d'un président qui préside. Quelqu'un qui va nous guider à suivre les interventions et aussi les réponses de la commission de toilettage. C'est-à-dire c'est un débat ouvert, comme nous avons dit. On peut commencer avec les statuts, quelqu'un va aller jusqu'à la fin, et s'il y a des questions, on va poser. Ou alors, il y a une pause. Il faudra nous couper en nombre de 3 ou 4 personnes, et nous le mettons. D'élucider les questions par rapport au code d'électrification. Voilà. Je pense qu'on pourrait parler de procéder de la. Bonjour, chers frères et sœurs. Le comité de toilettage
comme le président vient de le dire, a été constitué de 5 membres plus 2. Il s'agit de M. Freddy Kisaka, qui était le président, de Mwamba Pierre, les rapporteurs, de M. Enyang Luzon, membre, de M. Mosenjou Zoé, membre, de Mme Mawanga Marie-Jeanne, membre, de M. Mouroula Delphin, membre, et de M. Tchassa Flavien, membre. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, mes chers compatriotes, nous vous remercions beaucoup pour la confiance. Nous allons, sans plus tarder, commencer par l'adoption de notre statut. Je pense que chaque personne a reçu sa copie du statut. Donc nous allons demander à notre rapporteur de procéder à la lecture de chaque article du statut pour commencer l'adoption. Il nous a été demandé un travail et nous avons un rapport sur notre étage de texte. Donc nous allons venir d'abord le rapport et nous passer à la présentation du statut et du règlement intérieur. Vous lisez les rapports explicatifs sur les toilettages de textes fondamentaux de la communauté congolaise au Bénin-Cocor. 1. Exposé des motifs. À la demande des organisations communautaires et de certains compatriotes, l'ambassade de la RDC crée la République du Bénin a organisé une série de réunions techniques tripartites, associations communautaires, COCOR, ambassades, afin de procéder à un état des lieux de la communauté et proposer des perspectives. Ainsi, en date du 20 janvier 2018, il s'est tenu au podium à Cotonou la première réunion tripartite. Réunion au cours de laquelle les participants sont arrivés à la conclusion que, depuis un certain temps, la communauté congolaise au Bénin connaît des dysfonctionnements majeurs, du fait notamment de le glissement du mandat du président actuel du bureau exécutif, les désintéressements d'un bon nombre de compatriotes au fonctionnement de la communauté, l'absence d'organisation des réunions internes, la mauvaise gestion des ressources et l'absence des représentants au niveau local. Pour y remédier, ils ont considéré qu'il est urgent de procéder d'abord au toilettage des textes fondamentaux de la communauté congolaise au Bénin, en vue d'une réorganisation et dynamisation réussie de cette dernière. Toutefois, les participants ont souligné que la réorganisation de la communauté ne doit pas être la création d'une nouvelle association. Pour ce faire, il a été mis en place un comité technique chargé de réfléchir et de faire des propositions sur la révision des textes de la communauté, textes qui devront être soumis à l'approbation d'une assemblée générale extraordinaire qui est reste et demeure souveraine. Ce comité est composé de 7 membres, à savoir M. Kisaka Freddy, président, Mwamba Pierre, rapporteur, Enyang Luzon, membre, Mosenjou Zoé, membre, Mawanga Marie-Jeanne, membre, Mouroula Delphin, membre, Tchassa Flavien, membre. Le comité de toilettage a travaillé pendant un mois, tous les mois de février 2018, et a présenté son rapport le 17 mars 2018 lors de la deuxième réunion technique tripartite qui s'est tenue au même endroit. D'abord, nous avons le statut qui a 22 articles répartis sous 8 titres. Le règlement intérieur qui a 36 articles répartis sous 7 titres.
et le troisième document qui est les directives. Donc, nous avons en fait ces 48 articles à débattre ce soir. Le statut, titre premier, disposition générale, article premier, création, dénomination. Conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et complétée par le décret du 16 août 1901 portant règlement d'administration publique en République du Bénin. Il a été créé le 26 juillet 2008 à Cotonou, en République du Bénin, une association à but non lucratif à caractère apolitique et non confessionnel, dénommée Communauté congolaise au Bénin, COCOB en sigle. Le président statut résulte de la révision de ceux ici de l'Assemblée générale constitutive du 26 juillet 2008. À date du 28 avril 2018. Nous venons de finir d'adopter le statut. Maintenant, nous lisons le règlement intérieur. Article 1er, objet. Le présent règlement intérieur a pour objet de compléter les dispositions des statuts de la communauté congolaise au Bénin, COCOB en sigle, en précisant celles qui ne sont pas explicitées et les modalités pratiques de non-organisation et de non-fonctionnement. Le présent règlement intérieur résulte de la révision de celui ici de l'Assemblée générale du 26 juillet 2008. Sali eteni mibale etikali eteni moko me eteni yo etikali eza ya mutu ya makasi. Je voudrais proposer ceci. Tokoki kokene na election te soki toyebi te banani bakozala ba candidat, condition nini ezali kozala candidat, bureau ya commission électorale toko constituer yango ndenge nini, forme ya élection et kozala ndenge nini. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Tomonyo a okoki ko se présenter na ba téléspectateurs nyonso da vie d'événement télévision. Toye ba ozanani et puis awa nous sommes précisément na mboka nini et puis eloko nini sangisi ba congolais nyonso awa. OK, merci pour la parole. Merci d'abord pour la chaîne ya David d'événement. Oye Kolanda Biso na Assemblée Générale au Tuzarosala, Tuzali na République du Bénin, plus précisément na Mboka Cotonou, Tuzali capitale économique ya Bénin. Tuzangani yawa na kombo ya communauté congolaise au Bénin. Ezali association où esangisi bana nyonso ya Congo, ou bavandi na Mboka Bénin. Association ana pour la mandature Oyo et Kambami et Pai Nangai, Kombo Nangai et Nyang Engang Bison. Nazali, président actuel de la communauté congolaise au Bénin. Pour Fongolamo Moké pour Nangai, Nazali, ingénieur en développement local, expert en développement communautaire. Moko yaba membre ya communauté oyo to servir depuis 2010 comme secrétaire général ya communauté et puis ba élection isalemi to leki lokola président ya communauté depuis 2014 pour la mandature il y a 2 ans renouvelable une fois. Donc pour le moment to komi na fin ya mandature na biso, il faut organiser assemblée pour nous préparer l'élection il y a président ou Koya Sima. Message que nous lancer dans les Congolais sur la diaspora dans le monde entier. Je pense que les Congolais bisika nyonso tozali tozalaka fier ya kozala Congolais. Mais fierté wana kaka et kokite. Il faut biso ba Congolais ya libanda tozala ba vrai ambassadeur ya mboka na biso Congo. Parce que ceux qui bissent tous les Libanda, tous à quoi bah, pour faire sa image, moko ya kitoko ya mboka Congo, je crois que
l'école mususu va considérer biso pe va considérer mboka na biso. Personnellement nazo senga na bande konyoso na mboka nyoso bazali totelema dans un sens positif pour na toyeba pour construire mboka na biso. Je pense que biso bana libanda to zali d'un apport utile pour na mboka na biso na ba période oyo nyoso mboka ezalaki na kati ya mitungisi. Ma famille basée là et pas na biso, ma famille batale la biso. Donc je pense que il faut que na esprit moko nous lever et puis faut travailler durement to longo la kati ba distraction to travailler durement parce que awa to yaki pour un temps et to kozonga to zala lokola bikolo mususu to zomona awa soki ba bimi ba kenda rapona libelati bakei ko luka po baya ko investir na mboka na bango. Donc to luka bisika nyonso to zali po to ya ko investir na mboka na biso Congo. Congo et tombo ma Congo et telema et puis